IGA, écoute, cette semaine, chez IGA, ben, tu as le petit jambon, le demi-jambon qu'ils appellent, ça est désossé. C'est un peu plus gros que dans le fond qu'une toupie. Ça ressemble à une toupie, dans le fond, là. Mais là, tu as juste du maigre. C'est super bon. C'est facile à faire à 2,49 la livre. Ou si tu préfères 5,49 pour 1 kilo. Donc, pour 1 kilo, 1 kilo de jambon, 5,49 hein, ça a bien du bon sens. Tu peux suivre les indications que sur l'emballage, là, mais moi, ce que je fais là, avec un petit jambon comme ça, je le mets dans le jus de pomme. That's it, that's all. Pas complet, parce que je veux pas. T'sais, ça ne donne rien de prendre 2-3 litres de jus de pomme. Tu prends juste un carton là, hein, de jus de pomme. Tu le vides dedans, puis s'il n'est pas par-dessus, il ne sera pas par-dessus ton jambon, c'est sûr. Tu compenses avec de l'eau jusqu'à temps que ça vienne par-dessus ton jambon. Puis tu le mets à mijoter comme ça, là. Pendant une heure ou deux, tout dépendant de la grosseur que tu achètes. Puis vraiment avec une petite patate pilée, une petite sauce aux pommes là, et sirop d'érable. Puis des petites carottes au miel ou au sirop d'érable à côté, là. C'est super bon, c'est un bon petit souper. Puis ça coûte pas cher, puis c'est très bon, puis en plus, il t'en reste pour tes lunchs. Fait que vraiment, ça vaut la peine, un petit demi-jambon, check ça, là, c'est chez IGA. Aussi, chez IGA, ben écoute, t'as le beefsteak de côte, ça c'est le fun, un bon beefsteak de côte, ou d'aloyau, donc t'as le choix cette semaine, pour 6,99 la livre, ou si tu préfères 15,41 le kilo, c'est un bon prix, on l'a vu à 13,21 le kilo, quelques semaines, mais quand même à 15$ le kilo, là, 15,41, ça a bien du bon sens, ça vaut plus que le double. Là, un bon filet, un bon T-bone, un steak. C'est sûr que cette semaine, c'est là que le meilleur steak, c'est chez IGA. Ça, c'est sûr, à ce prix-là, là, ça n'a pas manqué, ça coûte le coup de manger un bon steak, c'est chez IGA que ça se passe. Aussi, chez IGA, écoute, t'as les crevettes blanches. C'est le beau gros sac de 908 grammes, donc 2 livres. C'est des 26-30. Ça, c'est la grosseur que je préfère parce que je trouve que c'est, tu sais, plus gros que ça. C'est sûr que c'est intéressant aussi, hein, c'est évident. Mais ça coûte souvent plus cher ou tu en as moins. Là, ici, là, vraiment qualité-prix, des 26-30. En plus, 26-30, ça veut dire qu'ils sont pas mal uniformes. Hein? Puis c'est une belle grosseur pour faire un sauté, par exemple, aux crevettes et légumes. Ou la petite recette que je t'ai faite l'autre fois, là, crevettes et choux de Bruxelles, c'est effrayant avec ces petites recettes. Ces crevettes-là, c'est idéal. Puis sont seulement 14,99 pour 2 livres. Donc, ça a bien du bon sens, parce que normalement, ça vaut un 10$ de plus, là, facile sur ces crevettes-là. Donc, c'est une belle économie. Je te conseille vraiment d'y aller parce que des crevettes, ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est facile à préparer. Puis tu peux faire tellement de choses. Tu peux les faire sucrées, tu peux les faire épicées, tu peux les faire salées, tu peux. C'est super facile. Puis en plus, même tu peux te prendre la dernière minute parce que c'est toujours congelé. Avant, parce que c'est pas comme du steak haché qui est congelé, là. Tu décides, on mange du steak haché, ce qui est congelé, ça va être demain. Tandis que des crevettes, tu peux faire ça la même journée sans aucun problème, là. T'es mantu de l'eau frette, puis il dégèle tout seul. Okay, c'est facile. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. J'espère que t'as vraiment, là, conscience là, des beaux rabais qu'on a cette semaine pour en profiter, puis que tu vas en profiter pour faire des bons soupers pendant la semaine de relâche, parce que c'est le temps là, de te faire des bons soupers, de prendre plus le temps de jaser avec ta petite famille, puis d'en profiter, parce qu'à la table, en autour d'une table, c'est toujours le fun de pouvoir partager ça avec ceux qu'on aime, puis passer du temps. Souvent, on lâche nos tablettes, nos téléphones, puis là, on peut parler, hein, puis si quelqu'un a son téléphone à la table, il dit, hey, oh, ouais, oh, d'enfer, on mange, là, ça veut dire. C'est important qu'on profite, faut prendre conscience de ce qu'on met dans notre bouche pour en profiter aussi, là. On prend tellement de temps à faire la nourriture que il faut, tu sais, des fois, ça prend des heures pour faire la nourriture, puis tu arrives en 5 minutes, puis tu as tout gobé ça, là. Fait qu'il faut prendre un peu le temps, puis il faut l'apprécier, puis le dire à la personne qui a fait la bouffe, là, que c'était bon. Parce que ça, c'est son petit cadeau. C'est ça, sa récompense. Fait que, écoute, sur ça, je te souhaite bien sûr une belle semaine, une bonne journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.